Waterer. Et ben voilà, en fait pas de grosse maçonnerie type mur ou moellon, pas de mur en béton banché, pas de dalle de ferraille avec ferraillage, enfin voilà. Donc pour ma part, vu l'implantation de la piscine, c'était un peu difficile et donc coûteux de bétonner la zone. Sans pompe à béton qui passe par-dessus la maison ou des groutages de matériaux, voilà, encore une fois coûteux. Donc cette solution est donc venue une évidence pour moi. Hein. D'autant plus qu'avec un peu d'esprit bricoleur et d'après Waterer, voilà, on peut très bien monter sa piscine soi-même en assez peu de temps. Alors bien sûr il faut laisser sécher un petit peu le béton, faire une petite chape et choses comme ça. Voilà. Mais bon, j'ai un peu l'esprit bricoleur et puis l'installation semble simple. On va se lancer et puis je vais vous montrer un petit peu l'évolution du montage de ma piscine Waterer qui est une piscine toute simple. Donc voilà, chose importante, voilà, donc c'est une piscine toute simple, hein, rectangulaire avec un escalier. Voilà. Ah oui, une chose très importante avec Waterer. Waterer vous parle de hauteur de piscine. Donc c'est-à-dire que moi j'ai pris 1m50 de profondeur. Voilà. Donc qui sera légèrement biseauté. Alors ici c'est vraiment quand vous avez un terrain avec pas de cailloux, voilà, pour le montage. Hein. Sinon les gars, il va falloir creuser un peu plus comme moi. Par contre, quand ils vous mettent 1m50 de piscine. C'est 1m50 piscine finie, c'est-à-dire que vous aurez jamais 1m50 d'eau. Donc pensez que si vous commandez une piscine d'1m20, vous aurez 1m d'eau, en gros. Si vous commandez une piscine d'1m50, on va avoir 1m35, 1m40 de fil d'eau. Voilà, donc c'est important parce que une piscine, vous commandez une piscine d'1m20, vous n'avez plus 1m d'eau. Waterer vous parle de hauteur de piscine, et nous, en règle générale, ce qu'on cherche, c'est une hauteur d'eau dans nos bassins. Bon, c'est à savoir et à prendre en compte assez rapidement quand vous faites faire un devis chez Waterer. Ah, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici mon atelier.
avec mon petit coin. Ici, dans cette zone, il y a une petite erreur, une petite ou même une grosse erreur. Si quelqu'un trouve cette erreur, bah ce serait sympa de me la mettre en commentaire et de me dire s'il l'a trouvée. Allez, salut les amis, ciao et bonne fin d'année à tous.